Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un haul action. Donc il n'y a pas beaucoup de nouveautés en ce moment. Je sais pas ce qui se passe. À mon avis, ils sont en train de nous préparer de super blocs de Noël. J'en suis sûre. Donc je croise les doigts. J'ai trouvé toute ma petite déco sur le thème de l'automne. C'était pas cher en plus. Que je vais vous présenter ça après. Donc pour l'instant dans le scrap je suis venue prendre 3 sachets comme ça, donc les doubles faces hein, vous savez. Donc là on est le 6 et je pense que vous aurez la vidéo dans la semaine prochaine, parce qu'il faut que je retourne action chercher d'autres matériels que j'ai pas trouvé. Parce qu'en fait, il y a 2 actions dans ma ville. Il y en a un qui a pas tout. Et dans l'autre, je trouve ce que je trouve pas dans l'autre action. Vous m'avez compris. Donc là, j'en ai pris 3. Alors, ensuite, j'ai pris ces petites boîtes-là sur le thème de l'automne. Donc là, on a des feuilles, on a des citrouilles, des petits renards, des champignons, des hérissons. Hop. Donc ils sont plus gros que l'année dernière. Ils sont attachés aussi avec une corde de jute. Ils sont super beaux. Franchement, ils sont bien gros en plus. Je trouve que les hérissons, ils ressemblent aux autres. Non, même pas. Ah, là, cette fois-ci, ils l'ont pas fait. Donc là, à mon avis, ce sera bien pour coller, là. Donc ils sont par 3. On va essayer d'enlever le plastique. Alors, pour le prix de ça, attendez que je retrouve mon ticket. Alors, ça c'est la colle, l'esprit, suspension d'automne. Ouais, c'était ça. Donc, c'était 1,72€. Donc, franchement, ça va. Ensuite, j'ai repris ce dice là parce que ça fait longtemps qu'il y est celui-là, hein, c'est pas une nouveauté, mais je vais en avoir besoin pour faire mes étiquettes de junk journal et aussi pour marquer les prénoms de mes enfants, que je peux mettre son prénom là pour mettre sur leur cahier, sur etc. Et ça va changer un petit peu. Donc le dice lui il était alors attendez. Matrice, ouais, 3,39€. Donc, c'est un petit peu cher, mais bon, il m'en fallait un comme ça, avec un petit cœur. Donc, je suis venue prendre la colle Crea Patch. C'est pour ça qu'il faut que je retourne, parce que là, en fait, dans celui-là, ils étaient en train de remettre les cartons, tout ça, donc, j'allais pas les déranger. Ensuite, je suis venue prendre de la colle comme ça. Vous savez que quand je vais à chaque action, je prends une colle comme ça et un double face. Comme ça, j'en ai toujours d'avance. Et là, avec tout ce que je vous ai programmé en vidéo, de la colle, j'en ai usé 4 quand même. Je suis sur un gros projet là que la vidéo ne sortira pas tout de suite malheureusement. Parce que je pense qu'elle sortira dans le mois de septembre. Mais elle me donne énormément de travail. Donc, j'en dis pas plus. Alors ensuite, je vais poser ça. J'ai trouvé donc mes feuilles comme ça. Donc ça sera pour moi le scrap. Peut-être quelques-unes aussi pour ma petite déco. Mais ma déco de toute façon, elle est déjà organisée. Donc là, on a 24 pièces. Alors, j'essaye de pas arracher les plastiques parce qu'en fait, ça, le carton, je vous réserve un petit tuto sur ça. Donc, voilà. Alors, donc, il y a 24 pièces. Donc, ils sont tous ensemble. On a cette couleur-là. Ça sent... ça sent la pêche. Je vous jure que ça sent la pêche. C'est horrible.
Donc voilà, on a quatre couleurs. On a, enfin, on va dire qu'on a deux couleurs. On les a en grand et en petit. Je vais enlever ça pour que vous voyez. Hop. Donc voilà. Ah ouais, ça sent fort. Hein. Je vais les mettre dans un sac rempli de talc. Après le talc, je viendrai le secouer. Donc les petites feuilles, franchement, elles sont plutôt pas mal. Pour une petite crayon, franchement, c'est top. Donc on en a comme ça. Alors. Hop. Donc on en a 6 de chaque. Donc ça c'est super. Donc j'ai pris 2 sachets de chaque. Hein. Donc là ça m'en fait 48. Donc 48 comme ça. Donc celui-là c'est celui-là. Et 48 aussi comme ça. Donc 24 et là 24. Donc là ils sont en plus petits. Désolée pour le bruit. Donc voilà, là ils sont plus petits et ils sont apparemment ils sont déjà séparés, donc c'est top. Ah ouais, ça sent fort la pêche. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a ma fifi? À chaque fois que je fais mes vidéos tu viens là, hein, hein, qu'est-ce qu'il y a? Hop. Donc là, on a des rouges, des jaunes. Donc, il y en a encore des plus petits. Bon, bah, il n'y a pas d'orange dans les petits comme ça. C'est dommage. Mais bon, c'est pas grave. Mais par contre, l'odeur, elle m'insupporte. Là, c'est pas possible. Mmh. Ah ouais, non, ça sent fou. Et donc là, c'est le même paquet. Donc, voilà pour ça. Ça, je vais aller les ranger dans... Là, franchement, ceux-là, ils sont belles, ceux-là. Est-ce que je les ai en petit, ceux-là? Ouais, je les ai en petit, mais je les ai pas en plus petit comme ça. C'est dommage. Bon, c'est pas grave. Ça, je vais aller les ranger dans une boîte, parce que je voulais faire un herbier. J'ai déjà un herbier que j'avais eu dans les box de DIY que je faisais avant. Attends, Fifi, après. Et du coup, je voulais me faire un petit herbier moi-même avec des pochettes, mais les dimensions, je ne sais pas encore comment je vais faire. Donc, je réfléchis. Ensuite, j'ai trouvé donc ça, et ma dernière colle. Ouais, j'en avais pris 2. Donc, ça, c'est pas les nouveaux. Enfin, ça, c'est des nouveaux, bien sûr, mais c'est pas encore ceux que je voulais. Je me suis trompée sur... Je me suis trompée. Moi, je voulais cela, mais pas en spray. Je voulais cela en drop. Je sais plus comment on appelle ça. Vous savez, ça, on peut même faire les... Ah là 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 là, attendez. Donc, je disais, les nouveaux comme ça, en fait, enfin, là, c'est pas celui-là. Là, c'est un... Attendez, je vais chercher le bon. Sinon, vous n'allez pas comprendre. Alors, où est-ce que tu es? Voilà, on va prendre celui-là. Vous savez, c'est des petits flacons comme ça qu'on peut faire les demi-perles, etc. Donc, c'est pas ceux-là. Hein. Ça, c'est un ancien. Mais ils sont à peu près de la même qualité. Et le bouchon, il est comme ça. Donc, ça, ils ont un petit peu copié sur les nouveaux. Ça, c'est un ancien. Ça, c'est en spray. Bah, c'est pas grave, on peut toujours s'en servir. Puis, une fois que le spray il est fini, bah, je fais mes encres moi-même. Donc, je vais enlever ça. Hop, donc là on a un gris. J'ai pas pris le noir parce que ça m'intéressait pas. En plus au tout début j'ai cru que c'était les trucs comme ça là. En fait non, c'est l'esprit, donc j'ai bien fait de pas le prendre le noir. J'ai pas fait gaffe au bouchon tout de suite, donc c'est pas grave. Donc c'est pas grave.
Donc j'ai pris que quatre couleurs parce que sinon il y a ces couleurs-là. Le violet, le blanc. Le blanc, je l'ai pas trouvé. On a le noir, le rose et le premium, comme ça. Donc le premium, je l'ai pas, le premium. Le premium, je l'ai pas. Ah, puis en plus, non, c'est pas. Ah, si, 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 je me suis trompée. Ah, si, le premium, je l'ai. C'est celui-là, là. Alors, ça, c'est le glamour. Ça, c'est le rose Richie. Ça, c'est le lac violet. Donc, ça, c'est le premium. Donc, il me manque. Attendez. Là, je suis perdue. Donc, ça, c'est le glamour. Ça, c'est le glamour. Le rose, c'est le Richie. Le violet, c'est le lac violet. Celui-là, donc, ça doit être le premium. Ouais, ça doit être le premium. Ça doit être le gris. Et donc, il me manque le noir. Voilà, le black. Ouais, c'est ça. Mais pourquoi il y a bright? Je comprends pas. Donc il y a six couleurs en fait. Voilà, je comprends. Il y a six couleurs. Donc il me manque le black et le bright. Donc peut-être que le bright c'est celui-là. Mais sinon il me manque le premium. Ouais. Il me manque le premium. Le premium c'est le bleu et celui-là c'est le bright. Donc c'est le gris. Ouais, ça doit être ça. Mais le noir je l'ai pas pris. Donc voilà pour ça. Je vais peut-être vous faire les tester en même temps. Je vais faire sur. Là, j'ai une feuille de brouillon. Je vais faire sur ça parce que. Je vais prendre ça vite fait. Parce que là, je peux pas sortir de papier. Ouais, bah si. Allez, hop, je vais sortir un papier. Hop. Voilà, bah comme ça va me protéger le derrière. Hop. Donc, on va commencer par le rose. Ah ouais, le rose, il est trop, trop, trop canon. Il brille. Je sais pas si vous allez bien voir avec le flash. Mais franchement, le rose, il est canon. Je vais essayer le violet. Ouais, le violet aussi, les canons. Je vais essayer le jaune. Le jaune doré, lui, il va être canon aussi. Regardez-moi ça. Lui, le jaune, il va m'intéresser pour faire ma petite déco. Donc, je pense que je vais aller rechercher du tout comme ça. Et le gris. Bon, je vais faire. Ah, bien plus, je me suis. Ah non, je crois que je m'étais coupé la peau, mais non, c'est un bout de scotch. Alors, le gris. Ah, le gris, il sort fort, hein. Donc, le gris aussi, il est pas mal. Là, déjà, rien que là, j'ai un beau petit fond. Donc voilà, c'est des petits flacons qui font. C'est pas noté. Ça va être noté sur l'emballage. Donc ça sèche au bout de 15 minutes. Hein. Et ils font 30 millilitres. Donc c'est plutôt pas mal. Et ils sont bien, bien remplis. Hein. Donc ça, les flacons, je vais les garder une fois qu'ils seront vides. Donc voilà. Donc on se retrouve pour la partie 2 dans quelques instants. Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour encore un tube, un haul. Donc je vous ai mis deux hauls en une vidéo, donc c'est pour ça que je vous dis re-coucou. Donc alors, je vais essayer de pousser mon sac parce que là il est rempli de chez rempli. Donc alors là j'ai repris deux tubes. Deux colles comme ça, donc vous avez l'habitude, hein, chaque fois que je vais chercher Action, quelque chose, je prends ma colle. Vous savez, je suis venue prendre, alors, deux autres
double face. Comme ça. Je suis venue prendre dans le rayon bricolage des scratch. Donc là, j'en ai trouvé en rond. Donc c'est super. Et là, en bande. Ben ça, les scratch, ils étaient... Alors, attendez que je dis pas de bêtises. Alors, 99 centimes. Voilà. Ensuite, je suis venue prendre deux boîtes comme ça de l'automne. J'ai pris celle-là parce que je ne me rappelle plus si je l'avais déjà achetée ou pas. Et celle-là, je pense pas l'avoir achetée. Je ne me rappelle plus. Donc, bah, je les ai pris. Ça, les autres, l'automne, les boîtes, c'était ouais, double face 44 centimes. Suspension d'automne, oui, 1,72€. Ensuite, je suis venue prendre cette petite déco automne-là. Donc ça, la petite maison, c'était 1,98€. Donc là, on a ça. Je vous ai dit que c'était pour faire ma petite déco automne. Je suis venue prendre des bouts de morceaux de bois, pareil, pour faire ma petite déco. Et je pense que je vais en racheter un deuxième pour Noël. Ça, c'était... Alors, attendez... Ça, je le trouve pas. Est-ce que c'est ça? Alors, attendez... ça, je le trouve pas. Je sais pas où c'est. Attendez. Planche en bois. Non, ça, c'est pas ça. Ah si, voilà. 99 centimes. Franchement, ils sont trop bien ceux-là. On a des petits, mais je pense que c'est pas mal. Il y avait les... Ils vendaient aussi des pommes de pin, mais ça, c'est rien du tout parce que j'ai juste à descendre de chez moi et j'en ai plein les pieds. Donc, voilà. Et il y avait aussi des grands... Trois morceaux de bois comme ça, mais par trois un petit peu plus épais, mais je les ai pas pris. Ça ne servait pas du tout. Donc, je vais prendre... celui-là, une planche en bois. Alors attendez, ça c'était, ouais, ça c'était un plat en polomnia, 3,99€. Ça c'est pour faire ma petite déco. Hop. Je vais prendre. Donc là pour l'instant on est toujours dans scrap déco automne, etc. Un petit photophore comme ça que j'ai eu. Alors, photophore dans couronne, 3,99€. Pour le prix, il n'est pas trop cher. Franchement, ça va, on a des petites pommes de pin en plus. Des petites pommes, etc. Donc, voilà. Toujours dans l'automne. Hop, je vais poser ça. Des petites guirlandes à piles. Alors. Il y a 10 LED. Et je sais pas si c'est des piles. Comment il faut mettre dedans? Je pense que c'est des piles normales. Des A. Des 2 fois AA. C'est des petites piles comme ça. Donc là, on a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a 10 petites citrouilles. Et les piles, ils se mettent là. Donc là, j'ai pas de piles, bien sûr. Enfin, j'en ai acheté. Et là, pareil, on a les mêmes, mais en champignons. Hop, voilà, ils sont trop beaux, hein, vous avez vu. Donc ils sont fragiles. Donc les piles, ils vont là. Donc ceux-là aussi, je pense que c'est 2 fois... Ouais. Donc, voilà. Alors, je vais pousser un petit peu tout ça. Hop. Ensuite, dans le scrap... J'ai repris un bloc comme ça parce que je compte vous faire un album safari et un autre bloc comme ça. Donc pareil pour faire un petit album de cartes et voilà. Donc ça, bah, je vous les ouvre pas parce que vous les connaissez. Hein. J'ai pris... Alors... J'ai repris un canva comme ça, vous savez, avec la texture, je sais plus c'est quoi comme texture,
je sais plus, mais ça c'est pas mal pour le mix média, etc. Et je compte vous faire une vidéo teintée au café. Donc voilà, j'en ai repris, alors j'en ai repris 4, les blocs comme ça, noir, blanc, craft, parce que bah, vous savez très bien que je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup avec ces blocs là. Donc là j'en ai repris 4. Et ensuite j'ai repris ceci, donc c'est pour faire un transfert sur le tissu, transfert de papier sur le tissu. Donc c'est à tester pour mes enfants parce qu'ils veulent des trucs Fortnite, etc. Et donc voilà, on a plusieurs papiers pour la couleur il me semble, ou pour le tissu, je sais plus, faut que je lis la notice de toute manière. Voilà, donc ça c'est pas nouveau, hein, ça est tout le temps, mais ça c'est la première fois que je le prends. J'ai pris un sheet pour la salle de bain. Par contre, je sais pas qu'est-ce qu'il sent. Il y avait le produit par terre, mais il n'est pas encore dans mon action. Ouais, il sent super bon. Donc avec ça, moi je vais laver la salle de bain, toilette, etc. Donc vous savez, c'est cette marque là qui est au top. Et en nouveauté que je vous ai dit, alors je vais pousser un petit peu ça, que je vous ai dit dans la partie 1, hop, que je cherchais, c'était ceux-là. Donc c'était pas ceux d'hier, mais c'était ceux-là. Donc il y en avait des autres, mais je me suis dit ça va pas trop m'intéresser, du moins que j'ai les couleurs que je veux. Donc là on a du blush et du riche rose, je crois que c'est ça. Oui, vous avez vu, c'était ce que je vous disais sur les nouveaux. Donc ceux-là, et je les ai pris aussi en comme ça. Donc il y avait les autres couleurs, hein. Il y avait le vert, j'ai pas trouvé le doré, donc c'est pas grave. Et j'ai pas trouvé les deux violets non plus. Le doré et violet, j'ai m'intéressé, mais je les ai pas trouvé. Donc ce sera une prochaine fois. Alors, on va les sortir, voilà. Et là, j'ai pris les deux roses comme ça. Je crois que c'est ceux-là, les violets. Ouais, si, c'est ceux-là. Donc le violet, c'est ceux-là, et les roses, c'est ceux-là. C'est ceux que je voulais. Et ça s'ouvre comme ça. Par contre, lui, il est déjà ouvert. Hop. Donc, voilà. Et une nouveauté par chez moi. Je n'ai pas encore vu, par contre, dans les halls. Donc, il y en avait plein. Mais moi, dans le rayon, déjà, c'était un tout petit rayon comme ça. Donc, il fallait que je force pour mettre ma main pour sortir les autres. Il y avait que cela. Donc, on a couleur violet et on a couleur lavande. C'était blindé, hein. Franchement, c'était blindé, mais il n'y avait que ces couleurs-là. Je ne sais pas s'il y aura d'autres couleurs, mais moi, dans ce cas, il n'y avait que ces couleurs-là. Donc, c'est des glitter marqueurs. Donc, chez moi, c'est une nouveauté, parce que je ne les ai jamais vus. Et en plus, le bouchon, il est canon. Donc, je pense qu'il faut les secouer aussi, hein. Ouais, il faut les secouer. Non, bah là, déjà, il est super beau, là. Je vais pas faire ça sur ça, parce que ça, je viens récupérer cet ensemble-là. Je vais prendre un papier. Hop. Je vais vous zoomer un petit peu. Voilà. Donc, la mine est comme ça. Et puis, vous savez, hein, qu'il faut appuyer pour que ça descende. Voilà. Là, ça a descendu. Vous voyez. Hop. Est-ce qu'on voit les paillettes? Ouais, on voit les paillettes. Je sais pas si vous allez bien voir. Je vais faire l'autre, après je vous mettrai bien dessus. Donc ça y est, il est en train de descendre. Lui, c'est couleur lavande.
Regardez-moi les paillettes. Est-ce que si j'enlève le flash, vous voyez mieux? Si je remets le flash. Voilà, là vous voyez mieux. Donc voilà pour ce petit haul qui est énorme parce que là ça m'a rechargé tout mon bureau. Donc pas beaucoup de nouveautés mais quand même un petit peu. Hein. Donc voilà, j'ai entendu parler que ça y est, ils vont mettre les blocs actions de Noël. Et oui, on est au mois d'août mais ils vont déjà commencer à nous les mettre. J'ai vu ça à une publication sur Facebook donc je peux vous dire si c'est du vrai ou du blabla. Hein. Mais bah, on attend. Voilà, et ben je vous fais des gros bisous et on se retrouve à très bientôt. Bye bye.